Président fédéral, toza a on a kati congrès extraordinaire. Le lot moni déjà makamboué bandi. Donc impression des anini ne makamboué bandi. Mais avant le championnat, il faut quand même coach a réuni ma joueur. Voilà. Il y a un bisou de Awa. Et ça, internement, pour le 20 décembre, Champions League est bandi. Voilà. Puis je me suis dit, bon, je m'en ai été. Sur mon police, on peut le soumettre. Vraiment. Pour ton milieu, il va pour la coupe avec notre champion. Il est facile de mettre. Il y a un peu de Awa pour se conformer. Voilà. Avant de gagner ma pronom, il faut. Pour ça, en sorte que Oyabino a la intronisé. Voilà. Il y a un peu de Awa dans le congrès, il y a intronisation. Ça, c'est un peu de moi. Mais ma soeur, elle aura un copain. D'abord, il y a un Abino quoi. Donc, il y a un Abino qui est. Bon, ça, c'est la formalité. Bon, en fait, de se conformer quand on a les Beko. Il est déjà parti. Le bowling il fait trop. Mais ça, on a une salle en sorte de bowling. Et comme tu appelles ça dans la famille. Donc, quand tu es parti, tu as à Silik Eli Azate. Mais tu as aimé bien. Il y a un kilo de diagan à battre. Voilà. Si tu as aimé bien le kilo, tu as un petit peu de roumela, un petit peu de yonde. Tu as pas dit que tu as trouvé que non, il y a un peu de soukipé, moi, Pierre Géza. Je suis un peu plus de congolais. Mais ça va se mettre libre. Bon, comme petit naïo, comme moi naïo, t'es à moi na bateau. Petit négar routin, n'a pas pitié à la bouche à l'icam. Outre la main, la éducation, outre la famille. A t'il n'a pas gagné. Mais, outre la manaïe, ça a été que noté, pitié comme il y a bisou. T'es à moi na bateau. Anna papa là-bas. Anna papa là-bas. Nanda gouna va. Nanda gouna va. Et on monte au temps, tu connais les santos. Tu vis pitié, en tout cas, abîmer la famille. Voilà. C'est ça que ma maternité. Ça, c'est vrai. Et on monte. Batina maga, atina maga na ye. Azamona, Fati Beto, Azamona ya Chichi. Voilà. Mona y depe. Ça c'est. Y'a mon biso ma colombouana touye, awa mona kouye sa famille, yos, bana karche, azala raya biso. Voilà. Ça c'est. Donc, soyez, aza, bon, mona botosi. Tindagiye, mais aux hommes on a parlé. Alors, on peut se lire par ailleurs. Voilà. Mais sur la soupe, aux hommes on a parlé. Il y a un peu de temps, on peut aller à parler. Pour que nous soyons par nous, ah, vous êtes Tindagiye. Mais ça, on a idée. Oui, aux présidents fédéral et à Founa. Ma salon a founé Tamboine. Mais ma salon a founé Tamboine. Carré, pourquoi? Parce que tu as aligné déjà par candidat au Bagou à Fonte 2023, le 20 décembre. Là, on a 12. Voilà. Na au Tindiga, on va y aller à la COP. Voilà. 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 Bazaï de Pes na kati ya Founa kala mo za moko ya komino ya Founa opazo kambango za moko ya yo ya de Pes nungu bateki komina soki makamuni le kai kuna na ebite soko pesa précision etant yo moko mokonzi ya oya zo kamba komino wana bona zo constate ke ba mbo ba osa ba fantili kwa nzete ke ba nzete za bilanga ya ba kaku tanga bana ba kimasa wa fosa mu dogo ya mbo na se nous avons une aventure avant moi, Nicolas Nzete et Perso Macaco. Et c'est le nom aussi. Merci. Mais quand vous vous mettez, même votre aventure, vous plaquez la foule. Voilà. Souba, bon, vous venez à Zonga, bon, vous allez à Komi. Et là, vous allez à l'État. Vraiment. Ça va risquer. Ouais, ouais. C'est un peu la fatigue, mais donc. Tant que vous avez été bouté, vous avez été bouté. 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 Vous avez été président fédéral. Deixa que eu vou, mano, muito aqui, mano. Deixa que eu vou, é perfeito.
Le PFM de l'intérieur. Amazon de l'intérieur, c'est là de Maître Peter Kaz. Maître Peter Kaz, la ministre de chef de l'État. Excellence, maître Peter Kazali, toujours le peuple de l'intérieur, combat contre les vingt-trois. Excellence, maître Peter Kazali, combat contre les Non, pas ici. C'est pas ici. Qu'est-ce que vous avez retenu du préfet secrétaire général et qu'est-ce que vous attendez de ce congrès? Merci beaucoup. C'est pour nous un sentiment de joie et de satisfaction. Parce que ici, nous sommes dans le cadre de la prolongation du travail que nous avons fait en 2018, en mars 2018. Nous avions réuni le président Félix. Candidat de l'IDPS. Personne ne nous faisait confiance. Personne ne croyait en l'IDPS. Nous-mêmes, les combattants de l'IDPS, nous avions dit que pour que ce pays puisse décoller, nous n'avons pas besoin de doctorants. Nous n'avons pas besoin de licenciés en quoi. Parce que avant le président Félix, nous avons vu dans ce pays défiler la tête de mise en poste. Des gens avec des intelligences très intelligents, déjà très intelligents. Mais les pays n'avaient jamais marché. Nous, au niveau de l'IDPS, nous avions dit en 2018, nous avons besoin d'un président pour le salaire à l'ENA qui a beaucoup permis de développer les Congo. Nous avions compris, nous, l'IDPS, qu'il fallait nous tamouter Mamalam 4. Et aujourd'hui, notre choix fait à merveille tous les Congolais. Le président Fatou Bento a fait l'unanimité. J'ai suivi les congrès de plusieurs partis politiques qui se sont créés. Même ceux qui ne croyaient pas au président Tshisekedi après sa victoire en 2018, aujourd'hui sont rangés derrière un seul homme, le président Félix Tshisekedi. Nous-mêmes, l'IDPS, qui avons désigné ce candidat en 2018, aujourd'hui c'est notre tour de le confirmer qu'il reste le candidat de l'IDPS, qu'il reste le président de la République qui a le mieux travaillé depuis que ce pays existe depuis 1960. Voilà ce que nous sommes venus faire ici. Donc c'est un travail, comme je suis en train de le dire, nous sommes en train de faire après une simple formalité.
où les habits ont dit prêt à porter, mais ici nous, sommes, nous avons déjà un prêt à voter. Nous avons déjà un prêt à voter, c'est le président Félix. Nous n'avons pas beaucoup de mesures à prendre, tout ça. Le prêt à voter est déjà là, il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. C'est le travail que nous avons fait ici. Merci, nous avons vu d'autres partis politiques, bien sûr, de la coalition, qui ont aussi choisi Félix Tshisekedi comme leur candidat président de la République. Que direz-vous? Est-ce qu'il est seulement de l'UDPS ou de tous les autres partis? Il est président de la République. En 2018, c'est nous qui avons eu ce coup d'œil-là de choisir une personne qui allait faire la France. Et aujourd'hui, tous ces partis politiques qui l'ont décidé, qui l'ont aussi accepté comme leur candidat, c'est une façon de nous donner raison. Tous ces partis politiques ont donné raison à l'UDPS aujourd'hui. C'est pourquoi je vous ai dit au début, à choix, c'est la fierté. Nous-mêmes, aujourd'hui, nous allons le confirmer aussi. C'est notre prêt à voter. Voilà. Vos détracteurs disent que vous n'avez pas un bilan présenté à la population. Est-ce que votre candidat a un bilan présenté au peuple congolais? Si vous voulez que je commence à vous citer les réalisations du président Félix Antoine Tshisekedi, nous allons dormir ici. Ce pays, nous avons lutté dans ce pays. À l'époque du maréchal Mobutu, on ne pouvait pas parler comme ça aux athées de l'Église. Il n'y avait pas liberté d'expression. Nous avons lutté avec le président Étienne Tshisekedi pour nous faire des réseaux. Aujourd'hui, avec l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi, au pouvoir, nous avons appliqué la vision où les testaments nous légués par le président Étienne Tshisekedi. Les peuples d'abord, nous avons commencé par confirmer la démocratie dans ce pays. Aujourd'hui, l'état des droits, ce n'est plus un synodant. Vous avez vu même les grands dignitaires de ces pays être arrêtés quand ils ont mal géré, quand ils se sont mal comportés. La justice fait son travail correctement, l'état des droits fonctionne. La démocratie. Vous avez vu au début de notre mandat comment les opposants s'aventuraient à organiser des marches. Nous leur avons laissé la liberté totale. Et nous avons dit à certains d'entre eux, si vous avez besoin d'une autorisation de 5 ans, venez nous la signer déjà. Marcher pendant 5 ans, ils se sont fatigués en cours de route. Parce que déjà, démocratie, état des droits, nous avons posé les fondamentaux. Dans ce pays, la constitution de 2006 avait consacré la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. Il fallait attendre l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi pour qu'aujourd'hui nos enfants étudient gratuitement. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que tous les Congolais doivent, nous devons applaudir de même le président de la République. Parce qu'avec la gratuité de la. À l'époque, c'était quoi? C'était la discrimination. Parce que nous avons des enfants des pauvres qui peuvent être intelligents. Par manque de moyens, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Parmi eux, il y avait même des savants mais qui ont raté de réaliser des exploits dans ces pays parce qu'on les a négligés. Avec le président Félix, ces enfants peuvent émerger aujourd'hui. Ces enfants peuvent exprimer leur talent, même au niveau des parents. À l'époque, il fallait supporter les frais des enseignants. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui paye les enseignants. Les parents ont un peu respiré avec cet argent pour utiliser pour payer les enseignants aujourd'hui. On peut s'acheter les ciments, on peut faire autre chose. Donc, au niveau des familles, nous avons aidé le président de la République à aider les ménages, certains ménages, à améliorer leur niveau de vie. Rien qu'avec cette décision-là de mettre en application la gratuité de l'enseignement. Je continue à avancer. Moi, je suis du Congo central. Si nous rentrons au Congo central, chez nous, depuis que notre pays existe, si vous prenez seulement les tronçons, les moines, les Bouma jusqu'à Moine, aujourd'hui, quand il fallait faire 10 jours ou 20 jours pour quitter Bouma, arriver jusqu'à Moine, un trajet de 120 km, il fallait faire plusieurs jours. Et aller aujourd'hui à Moine, vous allez voir. Pour nous, le Congo central également. Nous avons eu des sérieuses difficultés avec ce problème de port à notre province, avec ce problème de port de Braille, Kinshasa, Brazzaville. Si on avait seulement mis en place pour jeter ces ponts entre Kinshasa et Brazzaville, le Congo central serait devenu un village. Parce qu'à ce moment-là, toutes les activités portuaires allaient être orientées vers Brazzaville, vers Pointe-Noire et Brazzaville, et ça traverse par les ponts de Braille. Avec l'arrivée récemment que le président Félix Antoine Tshisekedi est arrivé aux affaires. Aujourd'hui, c'est le port à nos profondes, à Moanda. Il est allé poser la première pierre. Si vous allez aujourd'hui à Moanda, vous allez voir comment les lignes sont en train de construire. Pour nous, le Congo central, c'est un grand investissement. Le port à nos profondes, avoir un port sur la mer, en tout cas,
c'est pour la première fois que nous, en RDC, ça va accroître les activités économiques au niveau du Congo central. C'est ça notre développement. Vous voyez, on peut continuer. Mais c'est vrai, on peut pas dormir. Excellent. Une dernière question, Alimala. Non, une dernière question. Il n'a pas été intégré dans le monde de la puissance. De l'Oba Yango, et Koki Koku ne fait jamais. Parce que tant que papa Etienne Tshisekedi ya Mulumba kufi, tu vas te faire des choses qui sont très importantes. Mais tu vas te faire des choses. Et eux, mais vous avez dit, parce que Jésus-Christ étant là en vie, le christianisme est là qui est en vie. Et tant que Koufi, le christianisme est là qui est en vie. Papa Simon Kimba, tant que tu as en vie, l'église Kimbangiste, moi, ça là, et tant que Koufi, l'église Kimbangiste, ça est commis pour l'aîné. Comme vous précipitez mort, il y a papa Etienne Tshisekedi ya Mulumba, il dépêche pas, nous autres doivent pouvoir là. Tant que le congrès, nous sommes fiers, nous sommes en vacances, nous sommes en vacances, nous sommes en vacances, nous sommes en vacances, nous sommes en congrès, nous sommes en vacances, 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 nous sommes en concert des nations, on vit sa place, on a diplomatie, sali boulot là. Pour moi, comme ce qu'on dégage, nous avons dit là. Le président de la République, gratuité enseignement. Le bal va voter dans la classe pour faire les amours à quoi, aux amours à quoi, il y a pas de voter dans la classe pour faire les primaires. Et quand la mine était parce que le bal, voilà, le bal, ils aient bandé. 2023, nous avons eu le congrès pour confirmer sur les candidats à la vision des Aïens. Et nous avons eu la majorité. Avec la majorité, voilà, même gratuité, au moins nous avons eu le congrès. Parce que gratuité, au salaire, il y a tout la négociation. C'est une gratuité à Bamou et à Constitution 2006. Mais gratuité, il y a une vision des pays. Au papa, il y a une vision des pays. Il y a une vision des pays. Donc, il y a la classe pour me quitter l'uniforme était gratuité à Bissosco. Donc, pour que ça soit ma chance en 2023 au monde. Merci. Le long congrès extraordinaire et Koti, quelles sont vos impressions par rapport à ce congrès? D'abord, le congrès d'aujourd'hui, déjà extraordinaire, c'était pour d'abord la famille politique. La famille politique, il y a président de la République, où il a eu des pèses, est confirmé comme candidat. Okay. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Au moment où on va partir, M. Fao confirmer candidat, Bissoy des Pesto garder silence radio. C'est pour ça que le CG Augustin Kabuya, avec la présidente du parti, va convoquer le Congo, n'a idée que tout confirmé comme candidat. Et ce n'était pas une réunion des mangeurs de chiens, mais c'était vraiment un congrès. Et on a vu des partis amis. Dans un congrès, il doit y avoir des partis amis. Tout le monde y a CP, il y a gouverneur Gentil Ngobi Labazalaki. Tout le monde y a FDC, il y a professeur Bahati. Tout le monde y a parti, il y a l'excellence Pius Mabulu. Tout le monde y a INC, il y a des pacificateurs. Ça, ce sont nos alliés au Babeng qui s'insèrent. Baronde Bayakiao. Donc, le congrès d'aujourd'hui, les gens au Babeng, salit déjà Bonganga, il y a eu des pèses. La cadre, tout le pèse au Babeng, il va dire deuxième mandat. Donc, on ne change pas l'équipe, l'équipe qui gagne. Félicitations à son excellence, monsieur le secrétaire général. Babeng, Augustin Kabuya, moi, la butée. Celui qui a eu le courage et a sali sur le site, il y a vos réunions, il y a ma force, il y a eu des baisses. Il faut que ça fasse un deuxième mandat. Merci, président. Au Colombani,
Le président de la République, à cet instant, il est l'enfant de l'UDPS, mais il a d'autres familles politiques qu'on va adopter, quoi. Oh, ouais. Il y a d'autres familles politiques qu'on va adopter, dans le sens où on a donc, il est le président de Rassembleur, le président de tout le Congo, le candidat du pays. Merci bien.